Bonjour, moi je suis Julien Léonard, je joue de la viole de gambe et je fais, comme Myriam, partie de l'ensemble Pygmalion. Et moi c'est tout comme Julien, sauf que je m'appelle Myriam Rignol. Donc nous faisons partie de l'ensemble Pygmalion depuis sa création, il y a 18 ans maintenant. Et c'est pour cela que nous participons au kiosque aujourd'hui, qui est une initiative de Pygmalion et de la librairie Mola, d'organiser des concerts et avec des partenariats avec différentes écoles autour pour faire découvrir des styles de musique un petit peu moins entendus aujourd'hui. Et Pygmalion, c'est un grand chœur, un grand orchestre, donc on a la chance de faire partie d'aventures assez immenses, mais on a aussi l'envie souvent de créer des formes plus petites. Et notre chef, Raphaël Pichon, nous donne aussi ses opportunités, là par exemple avec le kiosque, et c'est pour ça qu'on a créé un ensemble. Alors l'ensemble Musical Tumors, qui est avant tout un consort de viol de gambe, donc avec Myriam, avec Lucille Boulanger, Nick Milne et Josh Cheatham, et cela nous permet d'explorer un répertoire assez vaste mais concentré sur la viol de gambe, et avec lequel nous faisons aussi d'autres projets plus variés. Et Myriam a aussi un autre ensemble. Un petit trio qui s'appelle Les Timbres, composé de Yoko Kawakubo au violon et Julien Wabs au clavecin, avec qui on a beaucoup de projets musicaux, artistiques, donc avec d'autres domaines, et puis même un peu philosophiques, notamment une tournée à pied avec les instruments dans une carriole tirée par des chevaux cet été. Thank you.
Là, je suis en train de travailler sur différents projets en ce moment, notamment avec l'utilisation de violons, trombones, viols de gamme, clavecin, ce qui est assez rare. Parce que les compositeurs de l'époque avaient finalement beaucoup moins de dogmes, ils étaient en recherche permanente. Donc cela nous donne envie d'aller chercher tout cela. Et puis aussi autour de la forme, je pense qu'on a à cœur de réinterroger les évidences actuelles par le prisme de ce qui pouvait être proposé comme cadres musicaux à l'époque, donc souvent plus intimes, plus spécifiques dans des cadres plus petits, et donc d'aller à la recherche de publics variés, desquels peut-être la musique classique s'est un peu éloignée et desquels la musique plus ancienne peut peut-être se rapprocher. La viole de gamme est une famille d'instruments, au même titre que la famille des violons. Donc là, ce soir, nous allons jouer un concert à deux basses de viol, mais la famille comporte aussi des dessus de viol, les viols de gamme soprano, qui ont la tessiture du violon jusqu'au violonnet. C'est un instrument qui apparaît à la fin du XVe siècle, qui a la spécificité d'avoir six cordes et des frettes, comme une guitare, mais joué avec un archet. Et c'est un instrument qui va être utilisé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui va tomber légèrement en désuétude avec la création des grandes salles de concert où on aura besoin d'instruments peut-être plus puissants comme le violon et le violoncelle. Et si on doit le résumer, on peut dire que la viole de gambe est un instrument cousin de la famille du violon et cousin de la famille de la guitare, et qu'évidemment c'est le plus bel instrument du monde. Et alors Tobias Humes déjà est un compositeur qui nous est cher, puisque Musical Humors, donc le nom de notre consort et de l'ensemble, est le nom de son premier recueil de musique qu'il a publié en 1605. C'est un personnage assez sombre, il était militaire de carrière, on l'imagine à cheval avec sa grande épée dans les... Il était mercenaire au service des armées de Suède, de Russie et aussi d'Angleterre. Une sorte de pirate, quoi. Une sorte de pirate, absolument. Mais d'ailleurs, il était capitaine de dragons. N'est-ce pas? Qui crachait le feu. N'est-ce pas? Et donc, du coup, il compose aussi avec ce qu'il a entendu sur les champs de bataille, avec ce qu'il a vu durant ses différentes campagnes de guerre. Donc on voit beaucoup d'imitations, on entend les trompettes de l'armée, on entend les tambours de l'armée. Et on se promène de pays en pays, on entend la cornemuse. On entend la cornemuse écossaise, on entend des danses polonaises, et même ce soir des humeurs espagnoles. Exactement.